Ici Romain pour More Green. Bienvenue dans cette première édition du podcast Green Interview. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'Eliott, Yanis et Angelina, lycéens engagés dans la région toulousaine et fondateurs du mouvement Lycéens en Transition. Une première question me paraît évidente à vous poser, tout simplement, qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter ? Donc moi, je m'appelle Eliott. Moi, c'est Yanis. Et moi, c'est Angelina. On est trois lycéens de terminale du lycée Berthelot à Toulouse. Et donc cette année, on a lancé le réseau Lycée en Transition. Alors justement, abordons ce sujet. Concrètement, qu'est-ce que Lycéens en Transition ? Quel est ce projet que vous portez et menez aujourd'hui ? Lycée en Transition, c'est un projet qu'on a lancé au lycée Berthelot à Toulouse et qui maintenant regroupe plusieurs lycées en France. Donc l'objectif, c'est de créer un réseau de lycéens qui veulent faire changer les choses en dépassant l'échelle individuelle et mener des actions écologiques dans leur lycée. Donc on cherche à mettre en réseau et faciliter ces initiatives. Et donc concrètement, on a un site qui regroupe des actions sur différents thèmes qui sont réalisées dans plusieurs lycées. Et quelles ont été ces motivations qui vous ont permis, il y a maintenant un an, de lancer Lycéens en Transition ? Donc on sait tous qu'il y a une grave crise climatique en ce moment. Et donc, vu qu'on est lycéens, on s'est dit pourquoi ne pas agir dans nos lycées. Donc l'année dernière, on a vu avec le proviseur pour lancer un groupe écolo. On a effectué de nombreuses actions. Et voilà, cette année, on a envie de partager ces actions. Notre motivation première, c'est de pouvoir inspirer, de pouvoir être en contact avec plein d'autres lycées qui ont le même objectif que nous. Alors votre projet paraît aujourd'hui très abouti. Maintenant, d'un point de vue communication, comment est-ce que vous communiquez avec les lycées, les lycéens ? Quelles plateformes utilisez-vous, notamment quels réseaux sociaux si vous en utilisez ? Alors on est essentiellement sur Instagram, sur lequel on partage plusieurs actions des différents lycées. Et ensuite on a aussi Facebook et Twitter, et notre arrobase c'est Lycée en Transition. À vous entendre, on comprend rapidement que votre projet se révèle assez abouti d'un point de vue numérique, digital, au quotidien. Est-ce que, à côté de ces activités, vous portez des événements ou des manifestations, notamment présentielles, entre lycéens ou entre lycées d'ores et déjà engagés ou allant s'engager ? Donc, un certain nombre de lycées qui sont dans le mouvement, dans le réseau Lycée en Transition, agissent concrètement dans leur propre lycée, en faisant des actions, en organisant des événements. Il y a ensuite le partage sur le site pour inspirer les autres lycées. Donc vraiment, le but, c'est de partager des actions physiques. Et on voudrait aller plus loin éventuellement en créant des événements nationaux pour que chaque lycéen du réseau Lycée en Transition puisse se rencontrer et partager leur expérience. On a d'ailleurs déjà organisé un forum de lycéens de toute la France, mais on l'a fait par vidéoconférence, donc pas en physique à cause du coronavirus. Donc pour revenir davantage sur un esprit d'engagement personnel, comment est-ce que vous faites concrètement pour concilier la vie du lycéen, disons, ordinaire, classique, et cet engagement quotidien que vous portez au sein de votre établissement ? Est-ce que d'ailleurs vous êtes les seuls à porter cet engagement ou est-ce que vous êtes soutenus ? Avez-vous une équipe pour vous épauler ? Donc au lycée, on a créé Écolycée Berthelot, donc qui mène des actions au sein du lycée. Et donc là, on était une trentaine de lycéens à se voir en dehors des heures de cours. Donc c'est vraiment un projet volontaire. Donc on est très libre dans ce qu'on fait. Après, pour le projet Lycée en Transition qu'on a mené cette année, on s'est fait aider par un ancien élève de Berthelot, qui est un informaticien, donc Jacques, qui nous a aidé à créer la plateforme collaborative et ensuite à contacter les lycées en transition pour en faire un réseau. Alors voilà un an que vous développez ce projet, toujours dans une dimension personnelle, mais également dans une dimension de travail de groupe. Qu'est-ce que vous pensez ou vous distinguez que ce projet vous ait apporté ou vous apporte aujourd'hui ? Donc le projet Lycée en Transition nous a beaucoup apporté. On a pu travailler en groupe, on a réussi à faire un site collaboratif.
Donc ce qui est surtout intéressant avec ce projet, c'est qu'on a réussi à le mener vraiment de A à Z et d'en faire quelque chose d'intéressant et de créer un réseau. Ce projet est conséquent, il vous a déjà pris un an. Est-ce qu'il va vous prendre davantage de temps? Comment visualisez-vous la suite? Est-ce une passation, une reprise, une fin? Comment est-ce que le projet va évoluer selon vous dans les années, les mois à venir? Donc le site il est maintenant créé et vu que c'est un site collaboratif, ce dont il a besoin pour perdurer dans le temps, c'est que les gens participent à ce site, le rendent vivant, donc en publiant des actions, en participant au forum. Et donc nous, pour le faire perdurer dans le temps, on s'occupera toujours de la modération, mais ce dont il a vraiment besoin, le site pour fonctionner, c'est vous. Et si vous voulez nous aider, vous êtes les bienvenus. Alors une autre question peut se poser. Aujourd'hui, vous avez le statut de lycéen, vous n'êtes donc pas nécessairement majeur. Est-ce que cela peut se révéler être, dans ce type de projet, un inconvénient ou, à l'inverse, un avantage? Non, le fait de ne pas être majeur ne nous a pas posé problème. On a toujours été pris en considération malgré notre jeune âge. Et quand on en a eu besoin, on a toujours été soutenu, que ce soit par les professeurs, le proviseur et même Jacques, qui est notre informaticien. Comme pour toutes les Green Interviews, la Green Team tient à vous laisser la parole. C'est pourquoi je vous laisse le dernier mot. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Donc nous, on voit le lycée comme un lieu d'expérimentation, en plus d'être un lieu d'éducation. Donc on peut faire changer les choses à notre échelle. Donc si vous voulez plus d'informations sur le projet, on a un site, donc Lycée en Transition. Vous trouverez aussi toutes les actions et le guide qu'on a créé pour lancer la transition dans son lycée. Après, si vous voulez faire partie du réseau, c'est très libre, c'est pas contraignant. Il suffit de remplir un formulaire qu'on trouve sur le site pour pouvoir après intégrer les conversations, pour pouvoir partager vos actions et ajouter votre établissement à la carte collaborative des lycées en transition qui est sur le site. Rejoignez-nous !